bienvenue dans cette toute première vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélanie, j'ai bientôt 20 ans. Je suis étudiante en diététique et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où on va manger ensemble et parler bouquins. Parce que j'adore lire et aujourd'hui on est le dimanche 12 juin et demain c'est le début du challenge Roman Young Adult lancé par La Bouquinade que je suis depuis très 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 longtemps, voilà. Mais bref, du coup, je voulais un peu vous présenter ma petite pile à lire. J'ai sélectionné 7 livres, un par catégorie, sauf pour une catégorie où comme je ne savais pas trop me décider, j'en ai pris 2. Mais du coup, voilà, je vais vous les présenter. Il y a pas mal de choses un peu différentes. En règle générale, ça va être plus du contemporain. Il va y avoir des livres en anglais, un peu de représentation LGBT+, puisque c'est aussi le mois des fiertés, donc j'en ai un petit peu profité, puis j'ai vu que l'autrice Morgane Moncomble a lancé également son petit challenge, donc je vais peut-être essayer au fur et à mesure du mois, enfin de moi ce qui en reste, de lire un petit peu plus de livres LGBT+. Mais voilà. Alors, pour la toute première catégorie, il s'agit de la catégorie One Shot. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi le livre Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider. Donc c'est un livre qui est sorti il y a quand même assez longtemps. C'est l'auteur également de Cœur brisé, tête coupée qui avait fait pas mal de bruit quand il était sorti. Mais voilà, c'est un livre qui est sorti quand même en 2015, donc il date. Je l'ai déjà lu il y a 2 ou 3 ans. Je l'avais beaucoup aimé, surtout que j'étais dans une période où en fait ma situation ressemblait beaucoup à l'intrigue du livre. Du coup, je l'avais beaucoup aimé, j'ai envie de le relire. En plus, il est assez court, donc ça me permettra de le lire assez vite parce que bon, j'ai quand même choisi 6 livres pour 2 semaines. Mais voilà, l'histoire, qu'est-ce que c'est? On est un peu dans le passé, je ne saurais pas vous dire à quelle époque exactement, mais la tuberculose n'a pas encore connu de vaccin. Il y a donc toujours des épidémies de tuberculose. Donc toutes les personnes qui sont atteintes de tuberculose sont envoyées dans des centres spéciaux pour être isolées. Et notre protagoniste est atteint de cela. Il va donc du coup dans un camp pour ados où ils ont des cours, ils ont des copains, etc. Et on va suivre en fait leur petite vie, savoir, ça va beaucoup parler de la maladie, de la relation à la mort, parce que malheureusement, ben, quand les ados qui ont la tuberculose savent qu'ils peuvent mourir d'un moment à un autre. Donc ça va vraiment être chouette, on va suivre cette bande de copains-là. Voir un peu tout ce qui leur arrive, leurs réflexions, etc. Il est vraiment cool. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment chouette comme lecture un peu détente et en même temps, ça parle de sujets importants. Du coup, voilà. Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider. C'est mon premier livre pour la catégorie One Shot. Je ne vais pas faire les catégories dans l'ordre, mais le prochain que je vois, c'est la catégorie d'une autrice française. Je n'en avais même pas dans ma pile à lire, c'est pour dire, parce que souvent je les lis beaucoup. Je me suis notamment fait tous les livres de Morgane Moncombe, je me suis fait plusieurs livres de Nini Gorman, etc. Je me suis fait tous les livres de Christelle Darbos, bref, j'en avais beaucoup, mais il y en a un de Nini Gorman que je n'avais pas lu. Donc j'ai décidé d'utiliser la fin de mon passe-culture pour aller acheter La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nini Gorman. J'en ai entendu que du bien, des gens et tout qui étaient très touchés par cette histoire. Donc je sais qu'on va suivre deux garçons, que c'est un contemporain, voilà, que la mère d'un des deux garçons est en prison, que c'est un petit peu dur, etc. Ça parle de santé mentale et que c'est... voilà. Franchement, il a l'air vraiment cool et je sais que le tome 2 sort juste après la fin du challenge, du coup je pourrais les enchaîner, j'irai l'acheter à la librairie à sa sortie et je pourrais les enchaîner, donc c'est vraiment comme ça que j'aime lire les sagas et les séries, etc. Donc j'ai choisi pour une autrice française La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nini Gorman et Marie-Aline Ho, qui sont deux autrices françaises, donc je remplis vraiment la catégorie. Catégorie suivante, de la représentation. Un livre avec de la représentation. J'ai encore une fois choisi un contemporain et cette fois-ci ce sera Aristote et Dante, Plonge dans les eaux du monde par Benjamin Alire Saenz. Donc j'ai lu plusieurs fois Aristote et Dante découvre les secrets du monde. Je l'ai lu peut-être 3 ou 4 fois, je suis en train de le relire justement actuellement.
et j'adore toujours autant. Je mets plein de post-it, je surligne, je partage quelques passages sur Instagram. Vraiment, j'adore ce bouquin. Et je n'avais pas encore eu l'occasion de lire le tome 2 qui est sorti en mai ou en avril, il me semble, en français. Du coup, c'est clairement la bonne occasion puisqu'il y a à l'intérieur de la représentation LGBT+, en profiter pour le lire pendant le trajet, le challenge, et en plus ça nous fait un peu du challenge de Morgane Moncombe avec la représentation LGBT, donc je suis franchement trop contente, j'ai trop hâte. Il est assez épais, je ne m'attendais pas, il fait quasiment 600 pages, donc j'ai pris quand même un gros pavé. J'ai des doutes que je vais arriver à lire les 7 livres que j'ai sélectionnés pour ce challenge, mais bon, je les prends et on verra bien, comme ça, ça vous permet un peu de me montrer un peu ma palle, qu'est-ce que j'aime bien, etc., que vous puissiez vous faire une petite idée de qui je suis, en fait, tout simplement. Catégorie suivante, un livre réconfort. Et c'est dans cette catégorie-là que j'ai pas trop su me décider, donc j'en ai choisi deux. J'ai choisi « To All the Boys I've Loved Before » de Jenny Han, donc que c'est un livre que j'ai déjà lu il y a 3 ou 4 ans. Et il y a le film sur Netflix, je l'avais lu juste avant la sortie du film. J'avais adoré cette histoire, c'est tout doudou, c'est tout cocooning, c'est vraiment un plaid, un chocolat chaud. Et dans les deux pieds sous le lit, donc voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien le relire, parce que j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome, et j'ai jamais lu le troisième, parce que j'avais pas réussi à me le procurer. Et finalement, il y a quelques mois, j'ai réussi à me le procurer, et donc j'aimerais me relire la saga en entier. Donc voilà, j'ai choisi « To All the Boys I've Loved Before » par Jenny Han. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, dès qu'elle était amoureuse quand elle était plus jeune, elle écrivait une lettre aux garçons qu'elle aimait. Et elle les a tous mis dans une boîte parce que c'est des lettres qu'elle n'a jamais envoyées. Malheureusement, un jour, elle découvre que ces lettres ont été envoyées. Et donc ça va lui poser quelques problèmes. Les garçons vont peut-être revenir la voir. Bref, j'adore, c'est très frais, très été. Et en même temps, je pense que ça peut se lire en hiver. En fait, c'est un peu un livre toute saison, mais voilà, c'est chouette. Et on a en plus de la représentation américano-asiatique, puisque il me semble que ce sont des jeunes filles qui ont la double nationalité vietnamienne et américaine, si je ne me trompe pas. Voilà, bon, si c'est pas exactement ça, je sais qu'elles ont une double nationalité qui n'est pas beaucoup représentée, car justement c'était le souhait de l'auteur de la représenter, cette nationalité-là. Du coup, voilà, To All the Boys I've Loved Before, qui sera peut-être mon premier livre cocooning. Et le second, c'est tout simplement The Fantastic Beasts, The Original Screenplay. Donc c'est le script du film Les Animaux Fantastiques, le premier tome. Je les ai trouvés en occasion, j'ai trouvé les deux en anglais sur Vinted. Je suis trop contente, je les ai trouvés pour pas si cher. Et voilà, enfin, Harry Potter tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a de plus réconfortant qu'Harry Potter? En plus, j'ai vu le film 3 au cinéma il y a un peu moins d'un mois. J'adore l'acteur qui joue Norbert, Newt, comme vous voulez. J'adore cet acteur-là. Ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans l'univers, de lire les scripts, puisque je ne les ai jamais lus. Donc voilà, ce sera ma deuxième option de livre réconfort, tout simplement parce que c'est Harry Potter. Avant-dernière catégorie, Enemies to Lovers. J'ai eu énormément de mal à trouver un livre dans ma pile à lire qui réponde à cette catégorie parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout un trope que je lis beaucoup. Surtout que dans ma palle, mes livres sont assez vieux. C'est souvent en fait les livres de mon adolescence que j'ai lus quand j'avais entre 12 et 17 ans et que j'ai décidé de relire. Et c'était un trope qu'on voyait pas du tout à cette époque parce que c'était entre 2013 et 2019, on va dire. Du coup, bon, j'ai eu des difficultés. Il me semble que celui que j'ai choisi possède un Enemies to Lovers. J'ai lu le début un peu du résumé et ça parle d'une fille qui déteste un camarade de classe, donc je me dis que potentiellement il peut y avoir une petite romance entre les deux. Il s'agit de A Deadly Education de Naomi Novik, donc le premier tome de la série A Deadly Education. J'ai entendu des avis plutôt mitigés par rapport à celui-là, donc c'est il me semble que c'est un fantastique de Dark Academia, donc j'adore l'esthétique de Dark Academia. J'ai lu quelques bouquins sur cet univers-là, enfin sur cette esthétique-là, mais du coup j'avais commandé celui-ci, j'ai pas
le second tome en ma possession. Peut-être qu'il répondra à cette catégorie, peut-être pas du tout, et je vais découvrir que bah il n'y a pas du tout de Enemies to Lovers dans ce bouquin-là. Mais tant pis, au moins je l'aurai lu. Il traîne dans ma pile à lire depuis début d'année, donc au moins ce sera fait. N'hésitez pas à me donner votre avis parce que j'ai entendu des avis assez mitigés. Je sais qu'il était très en tendance sur BookTok à un moment donné, puis après j'ai vu plein d'avis négatifs, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. D'ailleurs, je ne connais pas vraiment le résumé, je sais juste que ça se passe dans un univers d'académie, etc. Et moi, c'est juste que j'adore. Dites-moi juste qu'il y a des cours, des classes, etc. Je vous prends le livre direct. À tenter. Je sais pas si vous entendez, mais on entend les cloches de la cathédrale d'Albi. Puisque ça vient d'être la fin de la messe, donc c'est vraiment très très joli. Ok, dernier bouquin, j'arrête de faire durer le suspense. J'avoue, j'avais gardé le meilleur pour la fin, puisque c'est la catégorie que je trouve la plus drôle, la plus sympa. C'est le livre qui vous donne le moins envie dans votre pile, donc dans votre pile à lire. Le livre que vous avez le moins envie de lire et qui répond évidemment aux critères du Young Adult. Au début, j'étais très 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 enthousiaste de lire ce livre, puis j'ai entendu quand même en fait pas mal d'avis négatifs par rapport à l'auteur. Et je ne sais pas tellement par rapport au livre s'il y a eu des bons avis ou pas, mais ça m'a quand même un petit peu refroidi que l'auteur soit un peu problématique. Il s'agit de Birthday de Meredith Rousseau, donc qui a aussi écrit How Was Your Girl. Il s'agit d'un one-shot aussi, c'est une romance LGBT, donc un contemporain toujours, et je ne saurais pas tellement vous en dire plus que ça. Il me semble que voilà, ce sont deux meilleures amies qui ont la même date d'anniversaire. Et on va les suivre peut-être pendant plusieurs anniversaires, je crois, peut-être, c'est peut-être ça. Mais bref, du coup, c'est le livre qui me donne le moins envie dans ma palle parce que j'ai été très refroidie. Peut-être que pour le coup, ça sera l'occasion de découvrir une super pépite. Je vous en reparlerai de toute façon. J'essaierai de vous reparler d'un peu tous les livres. Donc voilà, la pile de lait des 7 livres. 7 livres que j'ai sélectionnés. J'aimerais en lire 6 au moins pour répondre à chacune des catégories. Mais ça fait quand même un beau quota de lecture. Ça va me permettre d'avancer dans mon challenge Goodreads parce que j'ai un peu de retard sur celui-ci. Je me suis fixé un objectif de lire 100 livres dans l'année et j'en suis à 30 sur 100. Donc j'ai à peu près 15 livres de retard. Mais bref, dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez, s'il vous a plu, si vous les avez, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez envie de le lire. Ou alors même dites-moi qu'est-ce que vous avez décidé de lire si vous participez au challenge. Ou parlez-moi de votre lecture en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une toute première vidéo. J'aime bien en fait le concept de manger en vous parlant, etc. Ça permet aussi d'amener un peu de support lors des moments des repas qui, je sais, peuvent être difficiles pour beaucoup, qui ont été difficiles pour moi, et donc si je peux aider certains de manger avec moi, etc. J'essaierai de le refaire, peut-être plus pour le coup avec des discussions, etc. où je prends vraiment le temps de manger, etc. Parce que là, bon, je vais finir de manger toute seule. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Je vais vous inviter à me rejoindre sur Instagram. Donc, mon pseudonyme, c'est le même qu'ici. C'est juste qu'il y a un point entre sunflower et point diète. Donc, c'est tout attaché, mais avec un point au milieu. Et voilà, j'espère vous revoir très vite pour une prochaine vidéo. Je suis trop 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 contente de lancer cette chaîne YouTube parce que c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai littéralement 11 ans. Et ça y est, je me lance dans l'aventure. Bref, j'arrête de parler. Je vous laisse et je vous souhaite une belle journée.